Au menu des Bruxellois de PPZ30, une énergie impressionnante ainsi qu'une recette peu diététique du pop-corn, le tout cuisiné par le chanteur Bruce Ellison, mime de formation extrêmement bavard. 1, 2, 3, 4. Guess who just walked in the door? 5, 6, 7, 8. We gonna get started, yeah, it's too late. 9, 10, 11, 12. Pull all your toys down off the shelf. 13, 14, 15, 16. Y'all get ready. Hope the demo be kicking. 17, 18, 19, 20. We're gonna try to give you plenty. 21, 22, 23, 24. Jumpin' Jehoshaphat. Little Lucy saw a running rat. Jumpin' Jehoshaphat. It kinda scared little Lucy like that. Jumpin' Jehoshaphat. Poor Lucy never ever owned a cat. Jumpin' Jehoshaphat. So Lucy grabbed a baseball bat. Uh-oh. Jumpin' Jehoshaphat. Lucy liked to say that just before she whacked and smacked the motherfucker flat. She said, take that, you dirty rat. I don't play that. She said, Karen, who you carry, cause with me and I'm a Karen. There was hair on the floor and the dirty rat was no more. Jumpin' Jehoshaphat. You gotta say that. Jumpin' Jehoshaphat. When you're feeling like that, jumpin' Jehoshaphat. Lucy's phone rang out too. Jumpin' Jehoshaphat. A voice said, you wanna screw? Jumpin' Jehoshaphat. Poor Lucy didn't know what to do. Jumpin' Jehoshaphat. She thought for a second or two. And then jumpin' Jehoshaphat. Lucy says when she loses a coup. Oh yeah, she says, yeah, why not? I like a big hot cock. As a Susan running, ramming in and out of my crotch. If I'm on over, don't knock while I'm sweaty and hot. Just the kind of pastime that I crave right o'clock. Tu peux essayer d'expliquer ce que c'est la chanson Jumpin' Jehoshaphat? Ah, oh, man. En 30 secondes. En 30 secondes, non. Non. En fait, l'histoire, ça s'appelle les popettes, c'est une expression un peu comme ça, pareil. Une injure assez naïve qui raconte, c'est une petite exclamation de petite Lucie, qui est toute naïve aussi, en apparence et tout, et puis, mais confrontée à des dangers de punk dans la rue qui demande son argent et tout, et bien sûr, elle exprime, ça s'appelle les popettes, Jumpin' Jehoshaphat. C'est juste une petite expression comme ça, avant de les entrer dedans, quoi, avec son switchblade couteau, et puis sa carabine, et tout, John Wayne, et puis après, ça fait les pop, et puis, c'est avant. Jumpin' Jehoshaphat, she ran into some punks instead. Jumpin' Jehoshaphat, give us money or you're gonna be dead. Jumpin' Jehoshaphat, but she says when she gonna see red, and then she shot one in the ass. Two in the ball, oh, it slammed both heads up against the wall. Kick three in my nuts, that one in the gut. Put on switchblade knife, Eddie Blair, I'll be fight for life. Il y a de Kokomo, Indiana. Une petite, toute petite ville. Et bien voilà, je me suis trouvé ici en Belgique après d'avoir fait un petit détour à Paris, faire mes études avec le Mime Marceau. Et puis, je me suis trouvé ici avec le Théâtre de la Mandragore à tourner avec le spectacle créé avec Michel Carcan. C'était l'étrange Mr. Knight.
mouth is wide and a million miles tall. Hard enough to walk through any wall. Colder than the wind in a thunderstorm. Hot as hell, yeah, always warm. Built to last like a mountain. Bubbling over like a fountain. Brighter than a supernova. Bet it can turn this whole planet over. My love for you. Be everything. Façon américaine, c'est toujours mieux quand on a un peu de tefal, hein, comme ça, il n'y a jamais de problème, même si c'est catastrophé après. Et bien voilà. C'est diététique, non? Pas du tout. Là, tu vas voir, tu vas même avoir peur de tout ce que je mets là-dedans. Lardon, non. Pour commencer, tu chauffes l'huile bien. C'est ce que ta maman te faisait, ça, du pop-corn pour déjeuner? Elle faisait ça, mais nous, tout de suite, alors c'est le genre de choses que... On sait, chaque fois qu'on aurait faim... ça peut expliquer un peu les Américains, pourquoi ils sont gros. On apprend aux enfants, quand ils ont faim, comment faire la bouffe. Alors, on dit pas, attendez, le dîner, on dit, voilà, où se trouve la bouffe, comment faire vous-même. Alors, j'ai faim, ah oui, je vais faire... une tonne de popcorn. Ah ouais, c'est comme ça que j'ai appris de faire. Quand il y avait des téléphones, on gueulait, on appelait l'autre. Byron, téléphone. Au lieu d'aller, c'est un peu. Limite, je rigole quand je vois ça. Ça va se remplir. En fait, je vais vider le casserole plusieurs fois hein, sur le journal. Ouais. Parce que ça va monter. J'ai mis tellement de popcorn que ça va remplir ça plusieurs fois. Mais si tu faisais pas de musique, tu ferais quoi alors? Du popcorn. Non, j'aimais bien la profession d'être un glacier. J'aime bien, je ne sais pas. Il y a des glaces, je ne connais rien de ça. Mais j'aurais sûrement été curieux de ça si ce n'était pas théâtre. De toute façon, c'est un peu théâtre. Eh bien, voilà, vous voyez bien que ça monte jusqu'au tout en haut. Hein? Je vais enlever un peu, comme ça. Il y a toujours celle qui éclate, qui se trouve au fond. Alors, ça va toujours éclater, comme ça. Ben voilà, je vais peut-être bien. Eh bien, voilà. Encore. Un peu. Ça continue. Quand, avec le tefal, on peut faire ça tout le temps, quoi. C'est-à-dire, on vide, ça claque toujours, ça chauffe. Dis quand tu auras ça sans sac. Je peux te poser une question? tu te vois comment à 65 ans? Je suis vieux. Quoi? Content, content dans les jours où on vit là maintenant. Voilà, ça commence à arrêter. Là, il n'y a pas de petits éclatements depuis un temps. Ben voilà, quelques bon qui prend des couleurs. Ben voilà. Alors, rouge, ça t'intéresse cette interview? Mais je crois que vous voulez voir comment faire des pop-corn. Eh bien voilà. Parfois, je vois les gens qui me regardent comme si je suis
Je suis un extraterrestre et je sais que je suis bizarre. Je sais que je suis étrange un peu dans ce... Mais c'est peut-être juste mon énergie, quoi. Moi, j'ai toujours aimé bien faire des choses. À la limite, j'aime bien quand... Quand il y a des choses qui bougent, moi j'adore les montagnes russes, hein, un peu dans le style, j'aime bien cette désorientation qui vient d'être tellement surchargé, quoi. Mais je peux faire ça, que, comme j'ai dit, hein, cette statique, pas d'idée, rien à faire. Pourtant, j'ai un rocking chair. J'ai un rocking chair dans la maison et je l'aime bien aussi, quoi. C'est-à-dire, si vraiment je veux m'asseoir, je m'assois dans un rocking chair parce qu'il y a ça. Non! Alors, pour dire, moi, je ne me sens pas du tout hyperactif ou autiste. Je ne me sens pas du tout autiste, mais les gens, ils me demandent tout le temps.